Il est déjà 16h. Attention, soyez prêts. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Tous les mercredis, tous les vendredis. Bienvenue. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte d'une map Minecraft. Et je peux vous dire que ça risque d'être ma foi fort sympathique puisque elle est proposée et créée par, j'ai toujours du mal à le prononcer, Zenithilia. Et il avait déjà créé une map qui s'appelait Map Colo. Comme je l'ai dit, malheureusement le nom n'est pas top, par contre la map elle est top. Et là, il m'a créé du coup une map qui s'appelle Map Colo 2, donc on peut se douter tout de suite que c'est la suite. Et je vous rappelle quand même que c'est les maps. C'était une map qui m'avait fait, que je vous invite à aller regarder. Il y avait plein d'easter eggs, plein de clins d'œil plutôt à ma chaîne. Et c'est plutôt cool. Alors j'espère qu'il y en aura aussi dans cette map. On va voir, on va découvrir. Donc avant de commencer, cette map est la suite de Map Colo. Map par Zenithilia. Zenithilia, voilà, le même qui a fait Map Colo. Voilà. Cette map est une sorte de quiz aventure. Bon jeu. Très bien. Musique. Merci, commencez, c'est parti. Alors, as-tu lu les panneaux? Eh ben, parce que je sens qu'il a un petit esprit trolleur, je vais mettre non. Ah, c'est... il m'a renvoyé au spawn, c'est pas con. C'est vrai, c'est pas con. Oui, alors. Alors, qui... Non, à qui est dédiée la map? M... Oh! M... C... O... L... O... OMG, c'est trop bien. Direct dès le début, j'aime bien. Question pour un champion. Ah merde, /spawn point. Ah, ça c'est quand même le petit point négatif. Ah, on n'a pas la permission, c'est cool. J'aime ne pas avoir la permission. Voilà, qui est le créateur de la map? Oh putain, le salaud. Ah bah c'est... Ah oui d'accord, là il y a un I, Zenithilia, et là c'est Zenithilia. Vas-y, j'ai envie de voir ce que ça fait. Ah oui d'accord. Oh, c'était facile. Ah franchement, c'était facile, un peu cher. M-Colon n'a a priori pas compris que la lave, ça brûle. Oui, c'est mon ressource pack personnalisé. Merde, c'est pas par là, c'est par là. Voilà, donc c'est Zenithilia. Voilà, bonjour. /spawn point. Alors, sur quel jeu est fait le let's play sur la chaîne de Zenithilia? Sans aller voir la chaîne ou alors en allant voir. Mais faut une pub. Donc, il fait de la pub pour sa chaîne dans ma vidéo. Mais c'est un scandale. Non, je déconne. Eh ben, je vais dire au hasard... Scrap mécanique, parce que je suis tombé dessus sans faire exprès une fois. Allez mon gars, c'est ça. Je connais la vie de mes abonnés les gars. Ok, Toonfou, bah au feu le Toonfou. Le Toonfou arrive. Oui d'accord. C'était pas, ok. Jump, fais /spawn point. Ok, ok. Un petit jump, oh j'aime les jumps. Ça me régale. Ah, vous me régalez avec vos jumps les gars. Non, je déconne, je dis ça ironiquement en fait parce que vous savez tous que je suis une merde en jump. Même si là je me démerde pas mal, mais c'est pas très très compliqué. Je vais éviter de parler trop hein, parce que à mon avis je vais me foirer au dernier. Bien évidemment. Alors à mon avis, voilà, il a mis des blocs invisibles. Donc maintenant je fais ça en sneak hein. On se rappelle sur la map colo numéro 1, eh bien il avait fait la même chose. Et voilà, et là normalement il va y avoir de l'eau en dessous. Voilà, exactement. C'est super. Ah bien. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bonjour. Quiz complète. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Déjà, vous camez direct. Mais c'est pas... Attends. On est d'accord que 2, c'est le double de 1. 4, c'est le double de 2. Donc à chaque fois, c'est le double. Donc le double de 32, c'est 64. Donc le double de 64, c'est 4 plus 4, 8. Attends, 6 plus 6, 12. Je rajoute 1, ça fait 130 quelque chose. Eh ben non, attends, je réfléchis, 4 plus 4, 8, donc déjà ça finit par 8. Mais c'est 138 mon gars, je te jure c'est 138. Voilà. La tête de WAM c'est 138. Le double de... Attends, mon gars je vais vérifier. Voilà, ça m'a saoulé, 64 fois 2, ça fait 128. J'ai rien dit, je ferme ma gueule, excusez-moi les gars, mettez un pouce rouge, je déconne. Ah, je me suis fait niquer. Complète, je tue, il, elle. On... Non mais c'est quoi ces questions là? fin de la map, mais non. J'espère que tu as aimé la map. Elle est très courte, mais je n'avais pas le temps pour. Enfin, j'espère que tu. Mais non, mais c'est une blague. Ah, t'as cru qu'elle était. Allez, c'est bon ça. Allez. Ok, les gars, on se calme tout de suite. Je suis complètement dans ma paranoïa. Oh putain, j'allais être déçu, mon gars. Attends, j'ai oublié un truc. Mais non. Bah, on va aller là. Bonjour.
Oh non, on part pas sur des labyrinthes de mes... Les crapules en colo, le logo. Ah, ça y est, on part sur des clins d'œil, nickel. Ah oui, bah oui, c'est le logo. Enfin, le logo. Eh, on se calme tout de suite, hein. C'est la miniature. Ah, c'est pas mal. D'ailleurs, la miniature, c'est Tounfou qui l'avait faite, voilà, je tiens à le dire. Ah, c'est cool, vas-y, il faut trouver tous les clins d'œil, mon gars. Ok. Un chien blanc qui a un ami chauve, qui est-ce? Attends, mais je suis sûr, il y a un autre clin d'œil ailleurs. Moi, j'ai envie de regarder ici. Ah, ben ça, c'est un joli clin d'œil. C'est mon cerveau, voilà, il est vide. Voilà, merci beaucoup pour ce clin d'œil. Alors, oui, donc, un chien blanc qui a un ami chauve, qui est-ce? Ben, c'est une chauve-souris, mon gars. Ah, pas du tout. Snoopy Cubitus, mais qu'est-ce que j'en sais, mon gars? Je sais juste que c'est... Bah si, c'est Snoopy. Eh ouais, mon gars, je regardais Snoopy quand j'étais petit, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, ça va être la fin de la map, je le sens trop bien, quoi. Qui a créé la map? Oh, putain! Ne me dis pas qu'il va falloir... Bon, déjà, ça commence par un Z. Après, il y a un E. Après, il y a un N. Après, il y a un I. Mais par contre, maintenant... Zenith... Si... Il y a... Ouais, ça va, c'est facile. Ah, franchement, ça va. C'est dans l'ordre, donc ça va. Si encore c'était mélangé, là, je saurais pas. Ok, ça va. Oh, j'ai peur que ce soit la fin. Je serais vraiment mais triste. Vraiment, je pleurerais. Ok. Oh! Ok. Alors, si je dis derrière, tu dis... Si je dis derrière, je dis là, hein. Oh! Faut de ma gueule. Si je te dis droite, tu dis. Attends, poteau, je comprends. Oh, je comprends que dalle. Je vais enlever mon casque, les gars. Il faut que je me concentre. Mon cerveau a besoin d'espace pour réfléchir. Mes neurones vont péter un câble. Si je dis derrière, tu dis. Ah! Oh putain, le con! Si je dis derrière, je dis devant. Donc il faut aller devant. Eh, tout ça pour ça. Si je te dis droite, tu dis gauche. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Gauche. Si je te dis avant, tu dis après. Bah là, ça m'avance pas du tout. Là. Ah non, avant, arrière. Ah, mais c'est là qu'il faut être. Mais attends, mais ça va où là-bas? Je vais regarder les autres chemins possibles. Genre là, ça va où? Cul-de-sac. Et là, normalement, là, si je vais là, cul-de-sac. Cul-de-sac, tout ça pour ça. D'accord, très bien. Par contre, j'ai faim, j'aimerais manger. Alors, give, @p, Minecraft, steak. Voilà, ça m'a saoulé, 64. Ah, voilà, ça n'existe pas. Bon, alors, game mode 1, voilà, ça m'a cassé les couilles, les gars. Mais non, mais... Attends, je sais ce que je vais faire. Hein, je vais juste me mettre en peaceful. Ça m'a saoulé. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bonjour, un nouveau jump. J'aime les jumps, c'est cool. En plus, c'est blanc, du coup, on voit que dalle. Hop, que des hop, j'aime les hop, tac, tic tac toy, c'est quoi c'est? Prends une popo et n'en garde pas, ah oui mais ça va être à côté, d'accord, je sens que ça va me saouler, non je déconne. Donc je sens que la map va être surtout longue, voilà, faut pas qu'elle dépasse 40 minutes, hein, je le rappelle, hein, d'ailleurs vous pouvez proposer vos maps sur mon site qui est dans la description, mcolo.gymdo.com, dans l'onglet vos maps, voilà. Tout simplement, voilà, hop, je me suis foiré. Hop, tac, tic, touc, tchouc. Hop, là, il y a un coffre ici, on l'a vu déjà avant. Oh! Mais c'est une blague. Eh, mais c'est une blague, je peux tout recommencer, mon gars. Et si je meurs, il n'y a pas spawn point. Bon, je suis en peaceful, donc je peux pas trop mourir, hein. Ce serait vraiment être nul à chier. Voilà, prends une popo. Et non, garde pas, j'en ai pas de popo. Il y a pas de popo, donc du coup, bah tant pis, du coup. Hop. Et je vais péter un câble, les gars. Y a pas de popo. On se fout de nouveau de ma gueule. Non, mais je pense que c'est un bug, hein, malheureusement. Voilà, du coup, hop. Oh! Eh! On m'a saoulé. Je vais pas le refaire. Attends, je vais pas. Les gars, la tête de WAM, je vais pas le refaire 30 fois. Hein. Je mets une échelle ici. Voilà, je mets une échelle ici. La petite technique de jambon gruyère. Hop là, on y va. Tac. Oh! Voilà, vous pouvez considérer ça comme du cheat, mais c'est juste qu'il y a un bug, il n'y a pas de popo, alors je considère que hop. Oh! Les gars, je vais péter un câble. Je sais pas c'était quoi comme potion de speed, je pense que c'est une potion de speed.
J'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on y va, on descend. Ok. Tu vas devoir résoudre une énigme dans le noir, mais tu peux augmenter la luminosité. Et cette énigme est un labyrinthe. Un levier est caché dedans. Cherche-le et désactive-le pour trouver la sortie. Alors, déjà, je vais mettre mon casque parce que je sens qu'il va y avoir des sons importants. Là, le levier. Appuie et fonce vers la lumière. C'est une blague. Les gars, je vois rien. Les gars... Oh ! De la lumière ! OMG ! Pourquoi ? Ok, tu la voulais, hashtag... L'alarme à Gaston, maintenant tu es épisode 47. Allez, bien joué mon gars, petit clin d'œil. Mais du coup, c'est pas la sortie. Niqué les gars. Oh les gars, le levier là. À mon avis. Je sais pas si ça a quelque chose de... Il y a plus de lumière maintenant. Ça s'est refermé. Mais pourquoi je peux pas? Avant je pouvais passer, je peux plus maintenant. Oh les gars, je suis désolé, hein, je pense que vous voyez rien. Mais vous inquiétez pas, je vois exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que dalle. Je ne sais même pas si j'avance, si je recule, si je vais à droite, si je vais à gauche. Ah non mais attends, mais je vois rien. Oh les gars, hé hey. Oh, oh, c'est quoi ça? Non. Oh les gars, je vois, mais la tête de Wham, je vois juste mon inventaire. Là, je vois rien. Attends, j'ai l'impression de voir un truc. Je sais même pas si je regarde le sol ou le plafond ou je sais pas quoi. Là, je sais que je longe un mur. Oh! Ah, mais c'est le levier de départ. Mais, d'accord. Alors là, les gars, je vous jure que je suis dans la merde. Oh, de la lumière! Ah, et la... ah, mais je pense qu'il faut aller là alors. Non, pas du tout. Alors il faut aller là. Ouais, mais en même temps il dit fonce vers la lumière. Donc je pense que c'est là-bas que la sortie est. Depuis le début. Genre il faut le tourner, ça fait un code, je sais pas quoi, non? Genre faut le tourner 47 fois comme l'épisode 47 de Madventure? Non? Ou la prendre? Non. Non, je sais pas, je... Qu'a une idée. Ich need help. Voilà. J'essaie de longer les murs, mais genre, je ne comprends. Mais alors, vraiment rien, ma vie. Là, je retourne là où j'étais avant. Et c'est compliqué, hein. J'ai envie de me claquer une potion de vision nocturne. Oh les gars. Oh. Eh mais c'est vraiment bâtard hein, ce qu'il me fait hein. C'est de la torture. Putain, j'avais l'impression qu'il y avait de la lumière, mais c'était une tache sur mon écran. Ok. Bon alors actuellement j'ai l'impression que je ne bouge plus. Et je pense que c'est qu'une impression. Oh. Mais what the fuck, j'ai l'impression que je vois des trucs. Mais allez, slash effect @p Minecraft night vision. Ah oui d'accord, donc ça ne change absolument rien. C'est une blague. La night vision ne marche pas. Attends les gars, il y a un problème. Game mode, attends. Slash give, @p Minecraft. Ah oui c'est slash, et ah oui je sais pourquoi. @p Minecraft night vision, ah oui non mais c'est ce que j'ai fait. Slash give, @p Minecraft. Attends, potion. Oh, rien à foutre. Vas-y, je me mets en game mode 1. Je vais taper tout simplement. Merde. Night vision. Voilà, ça m'a saoulé. Night vision. Hop là, 8 minutes. On s'en bat les couilles. Et ça ne marche pas. Il a mis un anti-cheat, le mec. C'est-à-dire que quoi que ce soit, je verrai rien. Donc là, on est de nouveau là où on était avant. C'est vachement cool.
Ah mais je viens de réagir que j'ai les shaders. Oh. Je suis un mongol. Franchement, je... oh putain, j'avais oublié que j'avais les shaders. Oh mais ouais, mais ça change tout. Vas-y, slash effect. Clear. Voilà. Ah mais ça change tout, mais je suis con. Bah voilà, là on voit. Eh mais je suis teubé. Hop là, le levier. Allez. Putain, si j'aurais su. Oh. Mais je suis vraiment teubé, hein. J'avais oublié que j'avais le shader. Je croyais que Minecraft c'était joli comme ça, quoi. Bon, du coup, je me remets en game mode 2. Je peux vite fait remettre le shader, hein. Autant en profiter, hein. On l'avait quand même pas mal de temps sans s'en rendre compte, bien évidemment. Putain, je suis vraiment. Mais franchement, je suis vraiment teubé, quoi. Je suis l'homme le plus con du monde. Ok. Alors, tu as accès maintenant à une série d'épreuves. Mais c'est génial, la map va durer 40 ans, quoi. Endurance. Allez, c'est parti, c'est pour moi l'endurance. Je suis quelqu'un de type balèze. Allez, pas le temps de niaiser, les gars. On recommence. Allez! Oui! C'est bon. Allez, hop là. Ouh! Ok, nickel. Je viens de faire un cri forcé. C'était magnifique. Ok. Oh! Tounfou, je voudrais bien choper une araignée qui m'aime. Allez! Ouais, c'était dans une compilation en off, je crois. Et du coup, j'avais pris plein de mots qui disaient. Genre, une fois, il a dit ouais, machin qui m'aime. Une fois, il a dit oh putain, il y a une araignée. Ou parfois, il disait je voudrais bien. Tu vois, et du coup, j'ai fait un truc, ça fait je voudrais bien choper une araignée. Voilà, bref. Ok, nickel, c'est super. Merci pour ce clin d'œil. On apprécie beaucoup. Alors, comment ça se fait qu'on revient ici? Accès à la sortie. Ah, endurance. Ok, d'accord. On peut sortir d'ici? Il te faut ma tête. Ah, je me disais bien qu'on pouvait pas, sortir comme ça sans faire les épreuves. Ça va, j'ai eu peur. Allez, on y va, on continue. Sujet, ok, on peut pas rentrer là, ici, ok. Sujet, on peut pas rentrer là non plus. Mais c'est quoi ce bordel? À mon avis, il y a des plaques. Aide. Oh non, il refait pareil. Alors, je pense que c'est fait exprès. Pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être sa marque de signature, mais à chaque fois, il fait exprès de casser un bloc pour qu'on voit un système de redstone. Je ne comprends pas. Mais du coup, ça, c'est... Il n'y a rien, quoi. Je suis sûr qu'il y a un easter egg là-dedans, non? Non, non, je sais pas. Bon, bah malheureusement, voilà. Ah, c'est dommage, je pensais qu'il y avait plusieurs épreuves. Voilà, j'ai... Oh! C'est une blague! J'ai même pas... Oh non! Alors là, non! Ah, je suis outré! Alors là, les gars, je suis vraiment... Vraiment triste, voilà. La porte ne m'a pas respecté. Allez, c'est parti. On va dans l'eau. Pas du tout. Pas du tout. Alors, fin. Oh, j'espère que tu as aimé la map. J'espère que tu ne m'as pas cru quand je t'ai dit de faire map pub. Ok, j'ai pas compris. Map créée par Zenithia, celui qui a fait la première. As-tu vu les trois références? Non, alors mets-toi en game mode 3 et cherche-les. Une, trois, dites-le en commentaire. Bref, merci d'avoir joué. Il y a des trucs que je ne comprends, mais alors absolument pas. Mais je crois qu'on a trouvé les trois références. Il y avait donc l'araignée qui m'aime, il y avait le logo des petites crapules, et on avait encore vu quelque chose. Voilà, donc on a vu les trois. Voilà. Ok, donc nous avons. On va se mettre en game mode 3. Et on va un petit peu regarder, analyser. En tout cas, j'ai bien aimé. Mais bon, alors je dois avouer que sur la première map que l'auteur m'a fait, il y avait quand même plus d'easter egg, enfin plus de clins d'œil. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de clins d'œil. C'est quoi? Ce truc, on sent le mec qui a voulu tenter quelque chose. Hein. Il a voulu tenter un truc, au final il a dit non, 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 c'est une épreuve qui m'a saoulé. Donc voilà, là il y a le logo des crapules à la colo. Ici, voilà, là ici il aurait pu mettre des petits clins d'œil. Mais franchement c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Hein. Ici, alors là j'ai bien aimé ce système du nom de l'auteur et tout, c'était vachement cool. Ici c'est quoi? Ici c'est la tête, j'ai du mal à m'y repérer. C'est-à-dire que la map était tellement grande et que en fait c'est tout petit, j'ai du mal à comprendre où est le spawn. Voilà, slash kill. Non, c'est pas là. Je ne sais pas où est le spawn. Ah, il doit être là le spawn. Non, il est pas là le spawn. Il est là le. Voilà, il est là le spawn. D'accord, très bien. Bon, alors. Et ben j'ai pas grand chose à dire, mis à part le fait que bah, j'ai bien aimé, j'attends une map Colo 3, mais c'est quand même... Bref, bah du coup merci à toi Zenithia. Je commence à retenir le pseudo, hein, c'est quand même un truc de ouf, on peut le souligner. Bah merci d'avoir créé cette map. Voilà. Bah dites moi en commentaire
si vous avez aimé la map. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous aura plu. Et pour me proposer une map, bah, je l'ai déjà dit. Putain, à chaque vidéo, il faut que je tape ce micro. C'est une blague. Ce micro est destiné pour exploser. Les gars, ça m'a tellement saoulé. Voilà, je mets ma caméra comme ça. Et je vous parle comme ça, les gars, ça m'a saoulé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez une map que vous avez créée pour moi ou pour le grand public ou que vous connaissez une map carrément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte sur mon site dans la description? Je suis fatigué. Mkolo.gino.com dans l'onglet vos maps, vous me proposez tout ça. Bref, rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Voilà, on peut remettre correctement maintenant le micro.